c'est Maëlle, donc voilà, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Profite à fond de ta journée. Moi, ça fait maintenant depuis février que je te suis et je suis vraiment trop contente parce que t'es vraiment une personne vraiment en or. T'es trop gentille, trop drôle, vraiment on a les mêmes délires, genre pour tout n'importe quoi, donc tu connais. Et bah voilà, donc du coup, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas avoir plein de cadeaux, que tu vas profiter avec tes amis, ta famille et nous, ta team. Voilà, donc je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir bientôt. Gars, je sors à peine de la douche, il est 16h34, je me suis réveillée vers 11h avec une gueule de bois terrible, qui est toujours là d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc hier on a fait mon anniv, franchement c'était trop bien, en plus moi qui aime pas les surprises, franchement en plus j'étais hyper contente, on a été très très bien reçus, donc je vous mettrai tout, tous les gens avec qui on a bossé, parce que franchement c'était top, et j'ai très très mal à la tête. Mais c'est horrible, je suis restée dans le noir là jusqu'à il y a 20 minutes, dans le noir, pas bougé de mon lit, rien mangé. Donc là du coup je vais chez Yo-Yo manger des crêpes parce que sinon je ne m'alimente pas. Donc du coup on va chez Yo-Yo manger des crêpes parce qu'on est tous dans le même état et que c'est bien de se soutenir. Et voilà, on va prendre du poids un peu, bon c'est mon anniv. Sachant que ma journée d'anniv je suis restée 3/4 de la journée dans mon lit. Là, en plus, je suis deg parce que je suis allée voir dans mon téléphone. Je me suis dit, ouais, on a dû faire des photos trop fraîches. Pas du tout. J'aurais jamais dû attendre avant de prendre des photos. J'aurais dû les prendre en arrivant. Les photos, je les voyais sur le moment. Waouh, trop beau. Il y avait tout le monde qui mettait son flash, tout, j'étais à fond. Mais en fait, elles sont horribles. Genre, vraiment, je vais vous en mettre. C'est les photos les plus ratées de l'année. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas une photo potable à mettre genre, sur mon Insta en mode, bah ça y est, j'ai 22 ans, quoi, c'est mon anniv. Donc voilà, en tout cas, franchement, je reçois 2500 tonnes de messages. J'arrive pas à répondre à tout le monde, vraiment. Mais c'est le cœur y est, hein. Mais genre, vous êtes trop chou. Parce que moi, normalement, je suis tout le temps en dep pour mon anniv. Bon, là, je suis restée jusqu'à 16h dans le lit. Mais genre, normalement, je suis vraiment en dep. Et c'est pour ça que, en gros, genre, j'ai pas voulu l'organiser parce que moi, je voulais même pas le fêter. Genre, j'aime pas fêter mon anniv. Et du coup, c'est ma sœur et mes meilleures amies qui m'ont organisé. C'est pour ça qu'il y avait très très peu de monde. Et voilà. Mais c'est parce que moi, de base, je voulais pas le fêter. Et en plus, j'aime pas fêter mes annives parce qu'à chaque fois, genre, il y a des gens, tu sais pas, si tu les invites pas, truc, si ça, ça. À chaque fois, ça fait des histoires. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de ne plus organiser mes annives ou de ne pas les fêter. Comme ça, au moins, c'est plus simple. J'étais tellement longtemps dans la même position dans mon lit que j'ai l'impression que j'ai une sensation qui se rapproche de la tétraplégie. Là, j'ai même pas la foi de conduire. C'est une copine qui vient me chercher. Comme quand j'avais 18 ans, que j'avais pas mon permis encore. C'est dur. Moi, tout le temps, je regrette hein, les lendemains de soirée. J'assume plus. Là, de toute façon, j'arrête. Là, j'arrête tout. À chaque fois, je dis ça et en fait, j'arrête rien du tout. Je crois que ça fait genre 50 fois que je vous le dis. C'est ridicule. En plus, vous me le rappelez bien. Vous me le remettez bien dans la gueule. Genre, à chaque fois, je dis je fais ci, je fais ça. Et en fait, je le fais pas parce que je procrastine tout. Bref, je suis en train de vous parler de mes états d'âme. Je me suis en gueule de bois, mais c'est dur. Vraiment. T'as un filtre. C'est dur, les gars, je vous jure. Donc moi, je mange que des crêpes sans rien dessus. Je sais pas pourquoi. J'adore. Ça va pas la tête, Pete. Non, Yoyo, elle a fait des crêpes, je suis contente. Mais du coup, j'ai pris mes brûleurs de graisse avec moi. Et je vais en prendre, mais je pense que ça va me brûler bien plus que la graisse. Ça va me brûler mon âme, c'est certain. J'ai reçu ça, c'est des brûleurs de graisse et ça draine aussi. C'est de chez Natural Wellness et je vais tester parce que ben, je mange n'importe quoi depuis hier et je fais n'importe quoi. Et en gros, quand vous avez fait un excès, c'est bien ça de prendre ça. Et c'est en une dose, donc je vais vous montrer. Du coup, j'ai pris chez Yo-Yo et j'ai un petit truc comme ça aussi avec. Et comme ça, vous mettez l'eau. Enfin, je vais vous montrer. Les formats, ils sont cool, vous pouvez les prendre de partout. Non, mais la vision. Ouais, horrible. Et donc, du coup, je disais que les formats, ils sont hyper cool parce que vous pouvez les prendre de partout. Et là, je prends l'ananas, mais l'autre, c'est goût pêche. Mais je crois que c'est meilleur ananas. Bref, ananas. Et du coup, ça, c'est 100% naturel et c'est vegan. Donc, c'est super cool. Comme ça, vous ne mourrez pas prématurément avec des mauvais produits. Voilà. En gros, je vous explique.
En fait, en plus, il est vraiment très bon. Moi, j'avais déjà pris des brûleurs de graisse, sauf que j'étais en PLS quand je les prenais, j'étais mal, parce que dedans, il y a plein de produits bizarres et tout, et moi, je suis hyper sensible à tout ça. Donc, du coup, j'étais trop mal, et lui, il a l'air bien, genre, c'est un truc naturel, donc ça me fait du bien à l'esprit de me dire que je prends des trucs naturels. Et du coup, c'est des cures de 14 jours, donc bah, là, je vais la faire, je vous ferai un vrai retour. Mais franchement, tous les échos que j'ai eus, ils étaient très très bien. Donc si vous voulez perdre du poids, ou si vous avez de la cellulite, ou si vous avez fait un excès, ben genre imaginez-vous manger un McDo, et après vous prenez un sachet, et c'est bon, pouf, plus de McDo. Et ouais, les gars. Alors, en gros, je mets 100 ans à vous expliquer, parce qu'en fait, on fait que pas à côté. Vous pouvez le boire chaud aussi. Et franchement, c'est carrément pas dégueu. Hein. C'est super bon. Et donc, non seulement ça draine. Donc, si vous avez de la cellulite, de la rétention d'eau, les jambes lourdes, tout le bordel, vous pouvez prendre ça. Ça brûle la graisse. Ça brûle votre âme, tous vos péchés. Mais également... qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure? Je sais plus. Ah oui, ça coupe la faim. Donc ça... Super, parce que j'ai tout le temps faim. Si vous avez envie de tester, je trouve ça cool, je vais vraiment faire la cure. J'ai un super code, moins 15% sur le site, et vous avez la livraison qui est offerte à partir de 45€ d'achat. Donc je vous ai mis le lien en swipe up selon la story, et vous avez mon code qui est noté juste là. Voilà, vous savez que j'ai un filtre, donc forcément ça me fait une belle peau, mais je vous jure que j'ai mis de l'auto-bronzant plein mon visage. Et je suis super contente parce que j'ai l'air beaucoup moins d'un cadavre. Ce soir c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. Oh la lourdeur. Ouais. Et le chien. Fait sur la croisette. Amérique et son corps. Cheval cabré sur la puits tête. D'envoi à de l'or. Les gars, vous manquez pas de ma tête. Je peux plus me voir mes sourcils noirs comme ça, c'est plus possible. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais me faire un masque parce que quand je viens de faire des soirées, je me fais toujours des masques parce que sinon ma peau après elle part trop en vrille. Vraiment, genre j'ai des boutons qui pètent et tout, donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc je vais vous montrer toute la routine que je fais avec Hello Body, c'est-à-dire que c'est nettoyant plus masque et je vais vous montrer la crème que je mets le plus souvent de chez eux. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai mis un peu de temps là à commencer parce que j'étais en train de reprocher à tous les Marseillais de pas m'avoir souhaité mon anniv. Donc du coup, ça me prend un peu de temps. Bref. Je fais en prumps, je me lave le visage. Généralement, je me lave toujours matin et soir avec ça. C'est une mousse détox qui nettoie. Donc, c'est la coco fraîche, elle est trop bien. Et en fait, elle détoxifie la peau, mais elle fait pas la peau toute sèche. Donc, ça, c'est hyper cool parce que moi, j'ai la peau hyper sèche et surtout l'hiver. Et genre, je pèle et tout des fois. Et du coup, celle-là, elle m'a jamais laissé la peau sèche. Elle laisse la peau toute douce. Et l'effet mousse, c'est trop agréable. Donc, ça, j'utilise tout le temps. Je crois que j'en ai plus. Ah, si. Hop, et après vous venez faire mousser, mais genre c'est trop bien, et ça nettoie trop bien, donc avant le masque je fais toujours ça. Ensuite genre je mets sur le visage, et après je fais le coco wow, mais regardez j'en ai presque plus, mais j'ai un autre pot, mais il est vraiment trop bien, j'utilise tout le temps, et en fait ça c'est pour désincruster genre les pores, et surtout pour matifier le visage, donc ça c'est bien, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et même moi qui la peau sèche, honnêtement, ça me fait pas de... Enfin, c'est pareil, en fait, ça nettoie, ça purifie, mais sans agresser. Donc, derrière, j'ai pas la peau du visage qui est sèche. Donc, voilà, de toute façon, ça parle de lui-même. Hein. Le pot est vide, mais parce que vraiment, il est trop bien. Et quand vous le mettez, vous sentez que ça pique un peu aux endroits où vous avez des impuretés. Genre, moi, ça va être surtout concentré à ce niveau-là, peut-être un petit peu à ce niveau-là. Et vous sentez que ça pique et tout. Et en fait, c'est à l'argile rose et c'est à l'extrait de kaolin, il me semble. De toute façon, je vais tout vous noter, mais genre, il est trop bien. Et vraiment, pour le coup, il fait vraiment partir les boutons ou il prévient du moins leur apparition. Donc, vous pouvez l'utiliser à raison de... deux fois par semaine, c'est très bien. Moi, c'est ce que je fais à peu près.
en last one, vous mettez ça. Alors ça, c'est une crème de chez Hello Body, c'est Rose Divine, il me semble. Non, Rose Velvet. Rose Divine, c'est le sérum que je me suis déjà mis au préalable sur la peau. C'est un sérum qu'il faut mettre la nuit, donc il est trop bien. Et en fait, ça, c'est une gamme. C'est toute une gamme à la rose. Donc ça sent pas la noix de coco, ça sent la rose. Et ça sent hyper bon. Genre, j'aime trop l'odeur de la rose. Et en fait, ça... c'est pour les peaux mixtes, genre avec des petites imperfections comme moi, que des fois genre j'ai un peu des boutons par-ci par-là, que ce soit hormonal ou pas. Et donc si vous avez une peau un petit peu moyenne comme moi, ça peut grave vous convenir, parce que moi j'utilise cette gamme, bah, franchement là ma crème, là ça, elle arrive là, donc c'est-à-dire que j'en ai plus beaucoup. J'utilise tout le temps, et en fait c'est un fluide matifiant, c'est un fluide hydratant pardon, que vous utilisez genre le matin et le soir, et vraiment il est trop bien, et même avant le make-up. Genre, il fait pas du tout genre effet gras et il sent trop... Oh, merde. Là, franchement, mon code, il est trop bien. Parce qu'il y a des filles, elles m'ont redemandé des moins 50. Et ben j'ai réussi à vous avoir moins 50 parce qu'à chaque fois, j'ai pas souvent des moins 50. Mais le moins 50, c'est que pour les 100 premières commandes, après, il passe à moins 30. Donc, dépêchez-vous parce qu'à chaque fois, ça va trop vite. Et moins 50, c'est trop bien. Vous avez trop à moitié prix. Et franchement, tous leurs produits sont trop bien. Je le dirai jamais assez. Moi, je les utilise vraiment quotidiennement. Hein. J'utilise pas que ça de chez eux. Mais tout ce que j'ai pu tester, et Dieu sait que j'en ai beaucoup testé de chez Hello Body, ils sont géniaux. Donc, foncez. Pizza d'Aniv by Loupid. Bonjour monsieur. Pizza d'anniversaire. Vous voulez de la salade ou pas?